l'idée de combiner en fait certaines choses que j'avais déjà faites auparavant, plutôt sous la forme de spectacle et de performance. Et là, c'était l'occasion de l'activer, pas seulement sur le plan du concert, mais plutôt justement sur un plan en amont de ça, c'est-à-dire avant que la musique soit créée, dans l'idée de faire assister les gens à des moments qui sont des moments assez rares. C'est une expérience de création musicale, mais qui prend son origine dans le... C'est une sorte de passage de relais, en fait, entre la fin des arts visuels à la Biennale de Venise et puis la musique qui peut après ça se répandre au gré de ce que les musiciens vont choisir de faire. Le pavillon, il doit représenter une idée de la nation, mais une idée de la nation qui est pour moi plus une idée d'ouverture, d'accueil. Et c'est pour ça que la musique m'intéressait aussi, parce qu'elle implique un esprit d'ouverture. Au-delà de Venise, je suis content que le projet rebondisse et voyage. Donc il va aller à Lisbonne et à Buenos Aires. Il va évoluer et il va aussi refléter autre chose que le lieu même, puisque c'est plutôt un point de vue en fait que j'essaie de donner. Le projet Studio Venezia, Studio Lisboa, Studio Buenos Aires va s'ancrer dans ces lieux et montrer ce qu'il voit depuis ces lieux.